Hey guys, so today on est là pour une nouvelle vidéo comme toujours. Comme vous pouvez le voir, ça c'est mon copain qui a ses dreads depuis 5 ans et aujourd'hui on va les enlever. Donc le but de la vidéo c'est vraiment simple, c'est vraiment pour montrer comment on peut défaire des dreads sans nécessairement les couper. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de te subscribe à ma chaîne YouTube et je te dis bon visionnement. Pour commencer, c'est important de mouiller les cheveux et d'appliquer du conditionneur sur les dreads afin de les adoucir. De plus, en mettant du conditionneur, on va éviter le moins de perte possible des cheveux puisque les dreads vont être plus mous et ça va être plus facile à les défaire. Vraiment, n'hésite pas à appliquer plus de conditionneur afin que ce soit plus facile pour toi. Puis, tu laisses déposer en 10 à 15 minutes de façon que les dreads absorbent bien le produit. Ensuite, tu prends une pince et tu mets la partie du métal au bout du dread. Donc vraiment, tu fais un pic et tu tires. Tu fais un pic et tu tires. Donc vraiment, tu fais ça tout au long de la vidéo. Tu fais un pic et tu tires jusqu'à la racine du dread. C'est vraiment un processus long. Donc c'est important de prendre son temps pour ne pas abîmer les cheveux. Donc voici comment on défait des dreads sans nécessairement les couper. Donc ça c'est sa dread défait versus sa dread non défait. Et comme que vous pouvez le voir, il a perdu beaucoup de cheveux. Mais c'est normal vu qu'il y avait aussi des cheveux morts. Donc voici les résultats de 5 dreads défaits. Comme que vous pouvez le voir, ça c'est tout, c'est perte de cheveux pour seulement 5 dreads. Bon voilà, après 8 jours, on a fini de défaire ses cheveux. C'était vraiment un processus très long. On était 3 sous ses cheveux. Parfois j'étais seule, mais la plupart du temps, on était 3. Donc c'est pour cela que ça a été rapide, mais habituellement ça peut prendre plusieurs jours, même plusieurs semaines. Voici tous les cheveux qu'il a perdus. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire un afro avec ses cheveux. Donc, il a perdu vraiment beaucoup de cheveux. Mais comme que je l'ai dit au début de la vidéo, c'est normal vu que c'est des cheveux morts. Pour ceux et celles qui défaient leur dread, moi, je vous conseille vraiment d'appliquer le masque d'avocat sur vos cheveux parce que vraiment, ce masque-là, c'est vraiment un masque enrichissant pour vos cheveux. C'est rempli de vitamines, vraiment. La plupart du temps, vous avez les cheveux cassés, morts avec les dreads. Donc, vraiment, ce masque-là va vraiment vous aider à donner vie, à donner force à vos cheveux. Donc, vraiment, je vous le conseille de le mettre après que vous ayez fini de défaire vos cheveux. Donc j'ai déjà fait une vidéo YouTube par rapport à ce masque là, donc vraiment je vais mettre le lien de ma vidéo en description pour que vous puissiez voir comment on fait ce masque là. À
Après d'avoir mis le masque, vous mettez un bonnet sur vos cheveux et vous laissez reposer jusqu'à 30 à 1 heure de temps. Ensuite, vous les lavez et vous faites des tresses pour aller dormir. Bon, guys, voici le résultat final d'un cheveu en bonne santé. Donc, c'est vraiment tout pour cette mini vidéo. J'espère vraiment que j'ai aidé ceux et celles qui voulaient défaire leur dread. Donc, vraiment, ne coupez pas vos cheveux. Si tu as aimé ma vidéo, tu sais déjà quoi faire. Like, partage et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Puis, guys, même si tu n'as pas aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi quand même à ma chaîne YouTube. Vraiment, de nouvelles vidéos arrivent vraiment très, très, très soon. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, merci d'avoir écouté ma vidéo et je te dis à la prochaine. Bisous!